then. Now. The king of kings. You can't see me. Forever. Together. Tout à fait, Naki Runo. J'arrive pas à décrire ce que je ressens actuellement, à part dire que c'est un mal-être profond. Parce que quand je regarde autour de moi, je vous vois dans des écrans de télévision, comme si vous n'étiez pas là, comme si vous étiez en prison, ou même pire, comme si vous n'existiez pas. Vous savez, cela fait déjà 7 mois, 7 longs mois, que personne n'est venu sur ce ring, que ce soit pour parler ou combattre. Et la raison est simple, une maladie. Quelle est cette maladie? Le soi-disant AJA-19 que Jeremy Wayne avait dit. Alors qu'en réalité, cette maladie s'appelle MJR-22. Et si vous avez cette maladie, vous aurez exactement le même taux de QI et même d'intelligence de Masked Terror, Igor, Laxas, Wiko Reda, L'Artiste, Drazar, Franklin, Brandon Jackson, Nitro Light, Sodix, et surtout, sans oublier le plus débile, Max Hunter. Mais tout ce que je raconte ne sont que des souvenirs. Oui, je sais, des mauvais souvenirs. Mais devant nous, il y a une porte. Une porte que l'on peut choisir d'ouvrir pour y retourner ou de fermer pour penser au futur. Le choix vous appartient. En tout cas, le mien est fait. Bienvenue pour ce premier show de WWE Fainéantise 22. Salut Gérard, comment vas-tu? WWE 2K22! Putain, les
ça fait péter que partout, ça fait plaisir de vous retrouver enfin sur un stream un peu plus correct qu'à l'époque. Et tout le monde est chaud, j'espère que l'année sera bonne pour vous comme pour moi. Mais oui, ce qu'il est, c'est du lourd, c'est génial. On a du rond d'envers, ok, les nuggets. Pas mal. Salut Baker, comment vas-tu? D'accord, on est en Angleterre. This kid has it all. All this embrace too. 23 years old. Oh putain, mais quelle ambiance ce soir! Let's go! Let's go! Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir ça ce soir. Franchement, pour le premier show de WWE Fignantis 22, ce soir à Raw, je vais vous annoncer des trucs de fou. Et je vais pas y aller par quatre chemins. Parce que la première chose, c'est que la Jeremy Wayne era est officiellement terminé. Alors, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi d'un coup Jeremy Wayne n'est plus là? Pourquoi il n'y a plus de JW era? C'est absurde ce que je dis, n'est-ce pas? Absolument pas. Eh bien, écoutez-moi. Pendant cette pandémie de MJ22, je crois, MJR, bref, on s'en fout, c'est un idiot. Eh bien, Jeremy Wayne n'a pas réussi à gérer ses dépenses. Jeremy Wayne n'a pas réussi à gérer les salaires de tout le monde. Jeremy Wayne a endetté la WWE. Je l'avais dit. Très peu de personnes m'ont écouté. Jeremy Wayne ne m'a pas écouté. Tout le monde a préféré aller dans son sens. Sauf quelques personnes, évidemment, qui m'ont toujours soutenu du début à la fin et qui sont toujours là ce soir. Mais vous inquiétez pas. Pour ceux-là qui ont suivi Jeremy Wayne, je vous en veux pas. Vous étiez peut-être porteur de la maladie après tout, depuis le début. Mais bon, bref, voilà. Comme vous le savez également, Jeremy Wayne était champion intercontinental. Eh bien, Jeremy Wayne n'est plus champion intercontinental. Le dernier champion, c'était KJ Wolf. Alors, ça serait trop direct, de directement lui rendre le titre. Ça serait peut-être injuste, et je le comprends, même si c'est mon partenaire. Ce n'est pas que je l'aime pas. Mais il faut du mérite. Il faut du mérite pour ce titre intercontinental. Et c'est pourquoi il va y avoir un tournoi pour ce titre, et que la finale se déroulera au premier pay-per-view Extreme Rules. Mais bon, je vais me justifier. Parce que je sais très bien qu'il y aura des gens dans ce tournoi que vous ne voulez pas voir, ce que je peux comprendre. Mais s'il mérite le titre, c'est qu'il le mérite. Du moins s'il le gagne. Et puis, entre nous, tant que j'entends pas des manger titre, ou alors oh bah moi, je préfère que les titres majeurs, j'aime pas les titres mineurs. Moi je veux que des titres majeurs, gagner tous les matchs. Sinon, je vais me plaindre, je vais crier, je vais pleurer avec mes oreilles. Ah, ça, c'est fini, c'est les souvenirs, c'est le passé. Maintenant, tout le monde a évolué.
Enfin presque. Mais la majorité a évolué. Et au passage, je m'excuse s'il y a des nouveaux ce soir. Devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte avec ses oreilles là? Non, franchement, c'est un mauvais souvenir. Ne vous mêlez pas de ça, franchement, ça vaut pas le coup de savoir, franchement. Enfin bref. Troisième chose, Isaac Vance. Ah. Il a conservé son titre dans un Fatal 4-Way à élimination à WrestleMania. Bravo, Dieu de la WWE. Sauf que il ne connaît toujours pas ce mot, le mot respect. Le mot respect, mon cher Isaac, je vais te l'apprendre. Et je sais que tu vas te plaindre. Tu vas sûrement vouloir me démonter la gueule après ce que je vais dire. Mais tu l'auras mérité. Tu l'auras cherché. Parce que ce soir, mon cher Isaac Vace, dans le main event, tu auras un match où tu vas défendre ton titre World Heavyweight. Et tu sais contre qui? Non? Personne ne sait? Eh ben, je vais vous le dire. Ce sera contre... Salut Anto, excuse-moi de te déranger pendant cette promo d'ouverture de... Écoute, tantôt, je trouve que tu es un meilleur patron que Jeremy Wayne. Parce que, voilà, tu es bien meilleur que lui. Je pense que niveau rémunération, tu es meilleur que lui. Hein, parce que, voilà, quoi. À cause de la Jeremy Wayne era, je me suis remis de nombreuses fois en question. Je suis tombé en dépression aussi. Niveau rémunération, comme je te l'ai déjà dit... avec Jeremy Wayne, c'était très compliqué, voilà. Du coup, je cherche un nouveau travail. Franchement, Anto, tu ne devrais pas du tout écouter ce public de merde ingrat et sans compassion. Puis je pense que tu devrais avoir du travail pour moi. Je suis un mec de confiance quand même. Attends. Ouais, bon, Baker, c'est bon, t'en as fait assez, là, t'en as encore sur le coin de la bouche, là, et c'est bon, stop. Or, tu parles de travail, ok. Écoute, j'ai une ambulance à repeindre. Je cherche quelqu'un pour repeindre une ambulance. Écoute, je te fais confiance. Demain, je vérifierai. Si c'est bien fait, je te paye. Si c'est mal fait, tu verras. Mais par contre, j'ai une question que je me pose là depuis le début de ton discours. Où est-ce que t'as pris cette tenue? Elle est à toi? Run. Est-ce qu'on pourrait un peu avoir un peu de sérieux, s'il vous plaît? Vous voulez savoir qui c'est? Bah c'est Baker.
Salut à tous ceux qui sont venus pendant les promos, évidemment je ne peux pas vous parler. Donc salut à tous, comment allez-vous? Et Gérard, je t'emmerde, j'ai vu ton commentaire tout à l'heure, je t'emmerde ouvertement. Salut Mathieu, comment vas-tu? Après les clubs caméras sont volontaires, c'est un petit peu pour animer les promos Mathieu, c'est volontaire. Ah oui, oui, totalement raide. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Brussels, Belgium, weighing in at 240 pounds, TMT. Allez, on est parti. Premier match pour la qualification au tournoi pour le titre intercontinental. Premier match de tournoi. Let's go TMT contre Eric. Let's fucking go. Et je t'emmerde, Gérard. Vraiment, je t'emmerde. Je te jure, je vais te couper les cheveux la prochaine fois que je te vois. Bon, du coup, les gars, est-ce que le son des musiques est assez fort? Est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous entendez bien le son du match, etc.? N'hésitez pas à me faire des retours dans le chat. C'est important. C'est important. Les mots là, mais t'es pire que moi, bordel de merde! Vraiment Red, vraiment là! Vraiment! Putain! Allez, Eric qui parvient à contrer TMT. Imaginez, Eric champion intercontinental, ça lui fait plaisir, mais bon, ça, c'est pas ça qui va lui faire devenir grand slam. Hein. Si bon, en même temps, est-ce qu'il va y arriver un jour, ça? On ne sait pas, j'en doute. On m'entend un peu de loin, on m'entend trop. On m'entend un peu de loin. Bah, je vais parler un peu plus fort au pire des cas, si ça va pas. Allez, Springboard Moonsault de la part de TMT. Ouf. Vous savez, la dernière fois, on avait fait le test et on m'avait dit que c'était nickel. Du coup, bah là, comme quoi, voilà. Allez, dégagement à deux de la part d'Eric. Et déjà deux, Eric est déjà faible. Bon, Eric est faible, hein. Bon, c'est un peu des synonymes, hein, faut dire ce qui est. Allez, attention, TMT. J'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Vraiment. Allez, test of pain de la part de TMT. Porté sur Eric. Eric qui compte directement avec un bon coup de pied dans la tête. First punch, wow, il n'y en aura pas qu'un, t'inquiète pas. il n'y en aura pas qu'un. Allez, TMT qui pose Eric contre les cordes. Allez, coup de coude dans le dos. Et un second. Et retombe par terre. Ouais, ne retombe pas sur la troisième corde. Salut Kirizu, comment vas-tu? Oh, attention. Le coup de genou esquivé par Eric. Oh, Eric, il tosse. Knee strike! Oh, 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 il a claqué celui-là! Il a fait mal! Oh, déjà le finish! Déjà le finish! Double Underhook Brainbuster! Tombé! Ah!
là 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 là. Allez, attention. Powerbomb de la part d'Eric. Le tombé direct. 1, 2, et dégagement de la part de TMT. Évidemment, la question habituelle, que personne ne répond habituellement, mais bon. Pour qui êtes-vous dans le match? Êtes-vous pour Eric ou pour TMT? Allez, best moonsault ever. Mais je me doute qu'Irizu, c'est chiant les discussions de famille. Je te l'accorde, je te l'accorde. Allez, attention. Mange les cordes. Pauvre TMT. Oh, attention, le standing moonsault, non, qui passera pas. Standing shooting star, pardon. Coup d'avant-bras. Directement sur Eric. Et d'ailleurs, Eric me paraît plus petit que... Enfin, je sais pas si c'est toi, Eric, mais... Tu me parais plus petit là que quand tu joues en ligne avec ton perso. C'est bizarre. Oh, 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 le 450. Je suis pour le bougre en noir et blanc. Ils sont tous les deux en noir et blanc. Oh, le coup de genou. Directement dans la tête. C'est peut-être déjà terminé. 1, 2, et non. Dégagement de la part d'Eric. Allez, TMT qui relève son adversaire. TMT pour en terminer peut-être. Oh, Bulldog! Bien porté sur Eric. Oh, c'est fini. Oh, si ça passe. TMT va se qualifier. Phénoménal botch de la part de TMT. Je te l'avais dit, Mathieu, qu'il y en aurait encore. Oh, attention, c'est pas grave. Le finish. Le deuxième finish. Suicide Solution. Le tombé. 1, 2 et 3. Here is your winner, TMT. Cabrón, yo soy vil en mi pick, cabrón. Soy un rey, campeón, busca el T. Estoy en mi pick, y yo soy vil en mi pick. Note bien le ratio Eric, 0-1. N'oublie pas, Eric, 0-1. Noob. Noob, noob, noob. Ah bah, ça dépend les matchs, Mathieu. Je vais te dire sincèrement, ça dépend les matchs. Mais, un peu de sérieux. Il n'y a pas eu un truc sérieux pour le moment. Ça fait combien de temps que je stream? Je crois que ça fait un quart d'heure, 20 minutes. Il n'y a pas eu un truc de sérieux. Baker qui se fait poursuivre par Kushi. TMT qui botche la moitié de ses prises. Et maintenant ça. Et maintenant ça. Sérieux. Mais non! Arrêtez vos conneries! 30 minutes, pas 30 minutes si tu veux! Vraiment! Y'a pas un seul truc de sérieux! Putain! I am perfection! The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from France, weighing in at 238 pounds. Utah. I will find the things you dream. Go check the scores again. Come out of perfect 10. They broke the mold when they made me. They thought perfection. Salut Jordan, comment vas-tu?
And his opponent from Paris, France, weighing in at 333 pounds, Buddy RX. Un roux au volant. Eh ben mon dieu. Bon. Allez, encore. Second match pour le tournoi intercontinental. Mucha contre Gorilla Body RX. Let's go. Oh putain, ça commence déjà fort. La tortue Manu. Powerbomb. Portée sur Mucha. Bah. Eh ben bon début surtout K22, mon cher Mucha. Ça commence déjà très mal pour toi. Hein. Allez, Buddy RX. Qui porte Mucha sans aucun problème. Military Press. Sinon, à part ça, comment vas-tu, mon cher Jordan? Salut, Mucha, comment vas-tu? Ce coup de pied directement de la part de Manu. Mais Mucha qui parvient à rencontrer derrière. N'hésitez pas également à dire dans le chat pour qui êtes-vous. Êtes-vous pour Mucha ou pour Buddy RX? Ouh, allez, le petit moonsault depuis la première corde de la part de Mucha. Allez, le contre de la part de Body RX. Alors, je trouve le son du jeu est ultra bas comparé à ton micro. Des fois, on me dit le contraire, tu vois. Des fois, on me dit on m'entend de loin. Donc, je fais en sorte de parler bien fort, tu vois. Bon, go Mucha, mais évidemment, Mucha. Mucha, champion intercontinental. Tout le monde en rêve, évidemment. Le coup de pied. Directement sur Buddy RX. Et d'ailleurs, bah tiens, j'y pense. Oh putain, coup de genou. Frankensteiner. Oh putain. Donc je disais, est-ce que les comptes vous gênent? Est-ce que les chiffres sur l'écran vous gênent ou pas du tout? Est-ce que c'est gênant pour vous ou pas? Allez, coup de genou. Frankensteiner encore. Putain. Allez, Manu a contré. Allez, attention, Manu qui relève Mucha à l'extérieur du ring et la projection dans le ring. Non, et quand même pas de décompte à l'extérieur. Pas pour le premier shoot, tout est 22. Merde, non, s'il vous plaît. Non, non. Allez, l'enchaînement de coups sur Buddy RX. Mucha, attention. Oh, oh, oh. Les deux coups de pied dans la tête. Oh non, Mucha sur la troisième corde. Peut-être va-t-il partir pour son finish. Ah non, c'est pas son finish. Oh, diving elbow drop. Et le tombé. 2 et ouh, c'était pas loin de faire 3. Mucha va peut-être créer la surprise. Attention, Shining Wizard, le coup spécial. Allez, tomber peut-être, non, pas de tomber. Mucha, attention, Mucha, il va le faire. Acid Rain, non, la pluie acide a été contrée par Buddy RX. Allez, l'enchaînement de droite de la part de Buddy RX, et maintenant il va monter sur la troisième corde. Manu, attention. Non. Oh, attention. Oh, ça aurait pu être pas mal de la part de Mucha, mais non, c'est pas passé. Coup de genou. Buddy RX qui remonte sur la troisième corde. Oh, leg drop. J'ai cru qu'il allait faire le splash, mais non. Magnifique leg drop de la part de Manu. Il a pris cher, Mucha, il a pris cher. Le stomp directement sur le bras. Et allez, on attaque encore le bras. Oh, oh, running in theory. Bon retour de la part de Mucha. Je vous avais prévenu, les gars, pour les botches. Hein. Ah, et la projection dans le coin de la part de Buddy RX. Buddy RX qui attrape Mucha. La projection dans les cordes. Oh, 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 oh. Le pounce de la part du gorille. Oh, oh. Pauvre Mucha.
Attention, attention, la droite. Oh, bodylock, prise de soumission. Buddy Hicks va-t-il remporter ce match? Le bodylock. Mujahid est tout près des cordes. Il est tout près des cordes, mais il n'arrive pas à les atteindre. Buddy Hicks va-t-il faire taper Mujahid? Non, il lâche la prise. Il lâche la prise. Oh, le coup de pied. Et Kevin, le spécial. Le spécial de Mucha. De Kevin. Mucha pour enchaîner. Acid Rain tombé. 1, 2 et 3. Non. Dégagement de la part de Buddy X. Bordel de merde. Allez, l'enchaînement. Non. Le coup de pied directement dans la jambe. Allez, Buddy Hicks qui envoie Mucha directement dans les cordes. Non. Pour rien. Pour rien, finalement. Allez, Manu. Qui s'amuse avec le corps de Mucha. Oh, putain. Oh, faut pas qu'il passe. Hein. Il ne faut pas que ça passe. Spear. Il est passé. Salut, Ryan. Comment vas-tu? Le tombé. 1, 2 et 3. Non, de quoi? Non. Dégagement de la part de Mucha, 2,9. Dégagement de la part de Mucha, 2,9. Le projet Mucha, peut-être, peut encore exister. Allez, Buddy Hicks, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, le shoulder block, non. Pas de shoulder block. Alors, salut, Jérém, comment vas-tu? Oh, back suplex. Putain, il faut le porter, hein. Il faut le porter, mais Mucha l'a fait. Allez, les coups de pied dans la tête. Et un enchaînement de coups de pied, mais non. Buddy Hicks qui parvient à contrer Mucha juste derrière. Allez, le coup de pied. Buddy Hicks, oh, qui va tenter une autre soumission. Single leg, camel clutch. Est-ce que Mucha va tenir ou taper sur cette soumission? Le projet Manu, champion intercontinental. Ah, bah, encore une fois, bah non. Pas pour maintenant. Oh, running and Ziggy. Buddy Hicks, il est en sang. Il est en sang, Buddy Hicks. Il saigne. Ça va pas plaire à Manu. Coup de genou. Le coup de genou qui fait mal. Buddy Hicks sur la troisième corde. Attention. Oiseau, non. Pas d'oiseau. Le coup spécial contré par Mucha. Buddy Hicks qui contre. Mais il est bon le match entre les deux, sérieux. Ça change quand même un peu du premier. Allez, attention. Buddy Hicks qui part. Military Press Slam. Oh, il se fait. Mucha se fait défoncer. À un moment, je pense qu'il va vite falloir en finir. Oh, coup de genou de la part de Buddy Hicks. Le tentative de tomber. 1, 2 et 3. Victoire de Buddy Hicks contre Mucha. Alors, vous m'excuserez, oui, je sais, on va me traiter de vendu. Mais je vais passer une publicité tout de suite sur le stream. Je sais ce que vous allez dire, voilà. Ça y est, il stream sur PC, il peut faire des pubs. Ben oui, j'ai gagné un sponsor. Eh oui, je vous l'avais pas dit, je l'avais dit à personne. Et ben justement, il y a une pub qui va arriver. Et puis,
voilà. On profite. Mettez-vous à ma place un petit peu. Voilà. La voici. Ah, regardez-le. Regardez cette saleté. Le couchis de terre est de retour. Marre de le voir ramper et de faire bugger vos parties? J'ai la solution. Avec le spray nasal Couchitox, qui est fait à base de gaz et qui lâche une odeur de fleur d'anus, sa facilité est déconcertante. Upshit, et c'est comme Auschwitz. Et c'est immédiat et radical. Vous trouverez cette solution dans chaque point de vente à côté de chez vous pour la modique somme d'une carotte. Vous avez bien entendu, une carotte. Je vous invite aussi à visiter notre site www.couchiasphyxie.com pour plus d'amples informations sur ce produit et aussi de l'acheter. En ce moment, une promotion est en cours. Un Couchitox acheté égale un porte-clés offert. André, je viendrai me manger. Y a pas de raison que moi aussi j'ai des sponsors, merde. S'il y a des pubs à vous, pourquoi il n'y en aurait pas ici? Merde, ça remplace les chargements, évidemment. Bon, Couchitox, pas cher, achetez-le. Mais bien sûr qu'on peut acheter ça où tu veux. Carrément. We all wanna go big, then say that. Ho! The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from St. Thomas in the Virgin Islands, weighing in at 214 pounds, Aaron! And his opponent, from Belgium, weighing in at 351 pounds, the WWE Champion, the Monster, Sebastian!
Salut Xenarchy, salut Braskill, comment allez-vous? Allez, c'est parti! Match, évidemment, qui n'est pas pour le tournoi, mais bon, peut-être que quelqu'un pourrait créer une surprise. Le nouveau Akrom contre le champion WWE, le monstre Seb. Let's go! N'hésitez pas à dire pour qui vous êtes dans le match. Oui, Akrom, bah oui, bah, il s'était déjà affronté, Seb et Akrom. Seb avait gagné. Donc peut-être que Akrom va pouvoir prendre sa revanche. Oh putain! Cet enchaînement de coups et ce kick dans la tête là. Non, c'est pas pour le tournoi, Hugo. Non, du tout. Le mat slam de la part d'Akrom. Allez. Akrom qui joue avec les jambes du monstre Seb pour le ramener au sol. Et. Le stomp dans la tête. Akrom qui domine ce début de match, bordel. Le tombé. Deux. Non. Quand même. Mais oui, ça change de voir Akrom comme ça. Le duo mène Akrom. Le stomp dans la tête, encore une fois. La domination d'Akrom sur Seb. L'étranglement des yeux. Attention, non. Le monstre Seb qui contre derrière. Allez, coup de poing. Non, ça passera pas. Le coup de genou qui ne passe pas non plus. Coup de pied. Seb qui attrape directement Akrom. En powerbomb. Oh non. Powerbomb à l'extérieur. Oh non. Ça fait mal. La droite. De la part d'Akrom. Revolution Knee. Directement porté sur Seb. Allez, coupé qui passe pas. Seb qui a fait manger la table à Akrom. Et Akrom qui continue à jouer sur les jambes du monstre Seb. Ben oui, ça change les gens, cette mois. Ben évidemment. Projection directement dans le ring. Allez, les deux qui reviennent dans le ring. Le coup de tête de la part de Seb sur Akrom. Le coup de pied dans la tête de la part d'Akrom sur Seb. Et encore un mat slam. Putain, mais Akrom, il fait toujours les mêmes coups et les mêmes prises. Mais au moins, ça lui permet de dominer Seb comme il le faut. Le stomp maintenant dans le dos. Dur. Salut, Pat Gamer, comment vas-tu? 1, 2, 3, soleil. ce side slam de la part du champion de la WWE. Et une soumission enchaînée. Accolade. Et non, rope break. Le pied dans les cordes. Heureusement que les pieds étaient dans les cordes pour Akrom. Oh non, le coup spécial. Le coup spécial du monstre. Shingona Bomb. Tombé. 1, 2, et 3. Dégagement de la part d'Akrom. Allez, Seb qui relève directement Akrom. Ça sent peut-être la fin. Le champion de la WWE qui attrape directement Akrom en Power Slam. Allez, le finish. Non, pas de finish. Reverse DDT de la part d'Akrom. Qu'est-ce qu'il fait Akrom? Akrom qui recule, qui prend peut-être de l'élan, je sais pas. Seb qui bloque. Hypnose Knee Strike en mode Eric, le tombé. Le manque de respect. Dégagement à un seulement. Attention, la prise de soumission. La prise de soumission. Asuka Lock, mais non. Il va faire taper le champion WWE. Akrom va-t-il faire taper le monstre ce soir? Le premier Road to K22. C'est parti pour. Non, c'est pas parti pour. Parce que Seb parvient à contrer avec un putain de coup de coude. Allez, Seb qui envoie Akrom dans le coin. Allez, Akrom qui vole. Salut Kushi, comment vas-tu? La droite de la part d'Akrom. Oh, Akrom le finish. Akrom, la puissance de Dragman. Le KOD. Le KOD porté sur Seb. Le tombé. 1, 2 et 3. Non. Dégagement de la part de Seb. Oh là, Akrom qui a failli battre Seb sur son finish. Mais rien n'est joué, rien n'est terminé. Allez, Akrom qui relève le monstre Seb. Il va encore l'enchaîner. Hypnose Knee Strike. Il va pas refaire de tomber, mais il va pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Akrom sur la troisième corde. Akrom qui part.
Diving Moonsault! Là, ça vaut le coup de faire le tomber! 1, 2, et non! Dégagement! Mais si, Jordan, je t'ai manqué! Je t'ai manqué, la preuve, tu es là! Tu es là! Sur ce premier shot 2K22! Oh putain, ce coup de genou! Oh, j'avais pas fait attention, le coup de genou! Et allez, la prise de soumission de la part d'Akram pour tordre le corps entier du monstre Seb! Oh bordel! Et il peut vraiment taper sur ça, Seb? Mais j'ai l'impression que Seb ne souffre pas vraiment, je sais pas, il a pas l'air de monter. Ah si, si, il a mal au dos. Il le montre finalement. Allez, Akram, projection directement dans le coin. Akram, non! C'est contré par Seb. Oh non! Oh non, Seb! Qui part pour son finish! Le Seb Ten! Et le tomber sur Akram. Oh, break! Les cordes! Les cordes! Les cordes qui sauvent Akram! Les cordes qui sauvent Akram! Mais ça, par contre, ça va pas le sauver! Shinkana bombe encore! Tombé! 1, 2 et 3. Non! Dégagement de la part d'Akram! Wouh! Allez, Iron Claw Slam de la part de Seb! Et le splash enchaîné! Akram maintenant qui se fait démolir par le champion WWE! Et la descente du genou sur le bras! En prime! Oh, le coup de pied! Akram qui revient dans le match! Oh, Chokeslam! Chokeslam! Et non! C'est contre en DDT! Par Seb! Oh putain, Seb qui reprend son souffle! En même temps, c'est pas facile, hein! Oh, attention, le Septen encore! Non, c'est contré par Akram! Oh, Seb, attention! Oh, qui attrape Akram sur ses épaules! Et. Ouf! Le Snake Ice dans le coin! Le coup de pied de la part de Seb! Et il enchaîne! Avec l'Aléo Bomb! Oh là là, il prend cher Akram! Oh là là, il prend cher! Et allez! Foot DDT! Oh putain! Allez, l'enchaînement! En dégageant Akram! Oula, ça parle de Juif dans le chat! Qu'est-ce qui se passe? 39-45, Juif! Ça m'intéresse, qu'est-ce qui se passe? Grave, les, shows, les deux sont chauds, c'est clair et net, c'est compliqué de. De pronostiquer ça. Il faut m'expliquer là. J'ai pas suivi le contexte. J'ai pas suivi la discussion. Oh, le contre. De la part de Seb. Seb, attention, qui attrape Akram. À un seul bras. Power Slam. Allez, headbutt. Porté sur Akram. Oh, bah oui, bon là. Le bon putain. Le pire, c'est que je rigole à ces conneries, quoi. Allez, attention, Seb, encore une fois. Le Seb. Il n'y a pas les cordes! Il n'y a pas les cordes pour sauver Akram! 1, 2 et. Oh! Quelle résistance de la part d'Akram! Bordel de merde! Et allez, ils enchaînent! Et ils enchaînent! Shingana Bomb! Il y a un bug de tombe enchaîné sur le Shingana Bomb, faut croire! Attention, encore le finish! Akram a contré! Akram a contré! Akram! Flatliner! Allez, tomber peut-être! Oh, Akram! Oh, Akram! Oh, Akram! C'est vrai! Il va le faire! Il va le porter encore! Akram! Akram, allez! Le KOD porté sur Seb! Akram qui va battre le champion WWE! Le tomber! 1, 2 et 3! Non! Dégage-moi 2,9 de la part de Seb! Oh, le moonsault qui passe pas! Oh là là, mais c'est pas possible! Oh, le Power Slam! Oh, Seb est pas content! Oh, Seb est pas content! La droite dans la gueule! Descends du genou! Oh là 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 là! Oh, c'est pas vrai! Oh, c'est pas vrai! Seb qui porte Akram en prise de soumission, le Torture Rack, pourquoi pas une soumission? Pour peut-être tenter de remporter le match. Et oui, Akram qui tape! Akram tape sur le Torture Rack de Seb. Victoire du champion WWE.
Webb. Oh, j'ai l'impression que Kirizu veut sa revanche. Et ben voilà, il a été chercher le titre. Kirizu qui prend le titre et qui le lève. Et écoutez-moi, c'est hué, bordel. Personne ne veut voir Kirizu champion WWE. Mais lui, il s'en bat les couilles. Oh là là. Oui, j'avoue, il fallait mettre le bout, oui. Je te l'accorde. Oh, dur. Attaque rapide de la part de Kirizu. Il a... Seb l'a pas vu venir. Hein. Affaire à suivre, du coup. Hein. Affaire à suivre. Pour l'instant. Il a fini à l'aveugle comme toi avec ta mère. Oh. Oh, ça trash talk. Oh, ça trash talk. J'aime, j'aime. Je crois que Kirizu et Seb ont le même coiffeur. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Allez, on se retrouve dans les vestiaires. Yuanto, il y a moyen de parler vite fait, là? Ouais, bien sûr, Kev. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai entendu dire que tu allais confier un truc à Baker. Et en vrai, je me demande si c'est une bonne idée de lui faire confiance. Oh, t'inquiète pas, ça va bien se passer pour lui. Je sais qu'il va réussir à faire ce que je lui ai dit. Après tout, c'est un mec de confiance. Tu sais pourquoi? Bah parce qu'il a dit que c'était un mec de confiance. Alors évidemment que c'est un mec de confiance. Je regrette déjà ma décision. Un mec de confiance? Ouais, bon. Je sais pas si on peut appeler ça de la confiance. Hein. Mais à ta place, j'y compterai pas trop dessus. Je te rappelle que c'est Baker. Si j'étais à ta place, j'aurais réfléchi encore un peu. Mais bon, c'est toi qui décides. Bon allez, je te laisse. Je te dis à plus tard. Avoir une confiance avec Laurent Baker, c'est vrai que c'est spécial. Allez, un autre match. Troisième match pour le tournoi, pour le titre intercontinental. Braskill contre KJ Wolf. Baker repeint d'une ambulance, sérieux. Bon, du coup, les gars, n'hésitez pas à dire dans le chat qu'est-ce que vous pensez du show pour l'instant, tiens. Avec tous les cuts, tous les montages, etc. Dites-moi tout dans le chat. Je suis curieux. Yeah.
c'est parti, Brass Kill contre l'un des champions tag team, KJ Wolf, let's go! Qui va rejoindre TMT et Manu dans le tournoi? Réponse tout de suite. Ok, du coup, j'ai lu un petit peu vos commentaires par rapport au retour. Donc, dans l'ensemble, ça a l'air de bien vous plaire. Donc, tant mieux, espérons que la suite vous plaise également. On est déjà au quatrième match de la soirée. Oh, le kick directement dans la tête de la part de Brass Kill! Et non pas Brass Amoura, Brass Kill, mais il faut que je m'y mette du coup. Il faut que je prenne l'habitude de le dire. Mais franchement, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Mais je trouve que Brass Kill a plus de... juste là, il a plus de flow que Jordan. Mais vraiment, largement plus. Rien qu'avec l'entrée, Brass a plus de flow que Jordan. Franchement, ce n'est que mon avis évidemment. Allez, hop, le flow là, il est mort. Allez, Air Crash Nightbreaker de la part de KJ Wolf. Coup de grâce. Porté sur Brass Kill. Allez, attention. Kev qui fait passer Brass au-dessus de lui. Et le Standing Shooting Star. Ouais, je parle trop, je mange pas assez. Je devrais te bouffer, grosse merde. Allez, Diving Footstomp de la part... Enfin, juste Footstomp, pardon, de la part de Brass Kill, lui aussi il sait les faire. Et la projection à l'extérieur du ring. Allez, j'ai l'impression que presque dans presque tous les matchs on va aller à l'extérieur. Comme si c'était obligatoire. Putain de merde. Tu m'invites chez toi, Jordan, on fait une petite omelette et tout. Entre potes, hein, au calme. Hein. Ça va bien se passer, je le sens. Oh Kev, Kev. Franchement, Kev. Ce crossbody dans le vide, franchement, ça va être incroyable, les potes, cette année. Incroyable. Double leg drop. À part de KJ Wolf. Et n'hésitez pas à dire pour qui vous êtes dans le chat. Enfin, dans le chat, dans le match, oui. Et si vous êtes pour Brass Kill ou pour KJ Wolf. Oh, attention, KJ Wolf. Qui retire la protection de la table des commandateurs. On va peut-être l'utiliser après, ça. Et, oh, le coup de genou de la part de Brass Kill. Qui avait attendu Kev dans le ring. Et un second coup de genou dans la tête. Et... oh, le moonsault dans le dos qui passe. Oh, cet enchaînement sur Kev. Brass Kill maintenant. Le coup de pied. Oh, une souplex. Oh, un merlock souplex. De la part de Brass Kill sur KJ Wolf. Cool, j'aime pas le nom de l'autre. Syrian... Ouais, j'aime pas son nom, je suis pas pour lui. Je suis mort. On dirait les gens qui ont voté aux élections, quoi. Sérieux. Ah, j'aime pas sa gueule, je vote pas pour lui. Allez. Ah, mitigé en vrai. Brass Kill, Kev, go Kev, allez, Brass. Mitigé dans le chat. Hein. Allez, tomber. 1, 2 et 3. Oh putain. Ça aurait pu suffire. Avec cet enchaînement de moonsault, c'est vrai que. Moonsault barrage, bah, il y a ça à tous les matchs maintenant. Hein. C'est obligatoire. Oh, le coup spécial, je pense, a été contré par KJ Wolf. Mais Brass Kill qui recompte directement derrière avec un bon spinning back kick. Oh, le percute sur KJ Wolf. Oh, Brass Kill. Brass Kill sur la troisième corde. Oh, 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 diving elbow drop. Peut-être le tomber. Non. Pas de tomber. Allez, KJ qui contre à son tour en spinning back kick. Oh, la gauche. Attention, KJ Wolf. Disaster kick. Ça a touché, ça a fait mal. Oh, le coup de pied dans la tête. Le coup de pied dans la tête. Et l'intestin du genou sur le bras. Et il va continuer. Pourquoi pas blesser les bras. Descendre du genou sur le bras encore une fois. Peut-être une troisième fois. Non. Descendre du genou dans la tête maintenant. Allez, Kev, il a du mal. Hein. Kev, il a du mal contre Brass Kill. Oh, c'est attention! Phoenix Splash! Non, c'était le finish! Il est passé à côté comme tout à l'heure avec le Phenomenal Forearm! La petite sœur! Portée sur Brass Kill! Le tomber! 1, 2, dégagement! Brass qui survit après le spécial de KJ. Oh oh! Ça sent très mauvais pour Brass Kill! Front Flip DDT! Oh, c'est magnifique! 1, 2 et 3!
KJ Wolf est maintenant le troisième homme à être qualifié dans le tournoi pour le titre intercontinental. Il rejoint donc Buddy Riggs et TMT. Quel plaisir. Mais non, je vais pas vous bannir, Jordan. Enfin, quoique. Eh, moi, si j'y s'agit rien. Hein. S'il y a un modo qui voit que vous partez trop loin, allez, modo, je vous laisse faire. Hein. Je vous dis, je vous laisse faire. Hein. Franchement, c'est open bar. Hein. Ouais, je dis, voilà. Ah, bah, justement, allez. On retrouve Anto dans les vestiaires qui veut prendre l'ascenseur. Bon. Oui. Et... Oh, et Eric! Eric qui s'en prend Anto dans les vestiaires! No way! Oh, le coup! Mais what? Eric! Pop up powerbomb de la part d'Eric sur Anto! Mais pourquoi? Mais pourquoi? Il n'y avait pas de raison à faire ça! Mais Anto, il a rien demandé! Mais il a rien demandé! No way! Et oui, c'est Eric! Mais non, oui! Sérieux? Allez, on est parti pour le cinquième match de la soirée avant le main event. Kirizu qui avait attaqué Sepp tout à l'heure contre JSK. Let's go! N'hésitez pas à dire pour qui vous êtes dans le match entre les deux. Oh, mais Kirizu? Kirizu? En fait, Kirizu, c'est Eric Zemmour. Pff. Kirizu, c'est Eric Zemmour. J'ai rien à dire de plus. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez, et oui, JSK, il est mieux en noir. Voilà, il est mieux en noir, la vérité a été rétablie, merci. Allez, coup de poing de la part de Kirizu à l'extérieur. Oh, Kamigoye!
de la part de Chirizu. Ouh, spinning back end. Allez, l'enchaînement de coups sur JSK qui ne répond pas. Oh, DDT à l'extérieur. Il répond plus, JSK. Oh là là, JSK, il est aux oubliettes, il est mort. Ah si, non, il revient. Le coup de genou dans le bide. Et Chirizu la droite, le coup de pied. Le coup de pied, encore une fois, de la part de Chirizu. Attention. Scoop Slam. Punch qui passe à côté, mais c'est qu'un détail, c'est qu'un détail. Allez, attention, Chirizu. Qui fait manger le poteau à JSK et Chirizu qui pourrait se la faire en mode extérieur. Il va gagner par décompte. Chirizu. On est à 9. Chirizu va gagner par décompte. JSK. Oh, JSK qui revient tout juste dans le ring. Oh, 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 oh Chirizu, sérieux. Oh, 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 Springboard DDT. De la part de Chirizu sur JSK. Coup de pied. Oh là là, sérieux quoi, on a failli avoir une victoire par décompte, première victoire par décompte, mais non. Merci du follow, Seb, Seb, salut Seb, comment vas-tu? Seb qui est en retard malheureusement. Oh, descendu genou dans le dos. Oh, et Chirizu hein, qui se la joue vraiment en mode technique dans le ring. C'est vrai que Chirizu est en train de dominer JSK de A à Z. Que ce soit dans le ring ou à l'extérieur. Oh là là. Ouais. Descente du genou. Oh, il prend cher. T'as loupé plusieurs choses, Kushi. Mais après, je t'invite à regarder la rediff ou alors à reculer un petit peu sur le stream pour voir ce que t'as raté. C'est le mieux. Oh, JSK. East River Crossing à la Léon. Vigoureux. C'est magnifique. Allez, JSK qui commence à revenir et à s'énerver. Descente du genou sur Chirizu. JSK qui reprend l'avantage. Yokosuka. Cutter. Allez. Oh, JSK qui se fout de la gueule de Chirizu. Descend du genou encore. Non, JSK. Non. JSK sur la troisième corde. Non, 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 c'est pas bon signe. Oh, oh, l'esquive. Oh, l'esquive. Et encore. Mais qu'est-ce qu'il va te faire, JSK? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau ce qu'il vient de faire. Ça marche, Seb. Sinon, comment vas-tu? Oh là là là, c'est magnifique qu'il va nous faire, là, JSK. Et JSK, qui va tenter de faire taper Chirizu sur un camel clutch, mais non. Chirizu a contré. Oh. Oh, le percute. Very European uppercut. Le spécial de la part de Chirizu sur JSK. Est-ce que ça serait déjà la fin de ce match? Ah, 2 et non, c'est pas la fin de ce match. Allez, JSK qui se relève avec l'aide de Chirizu. Chirizu cutter porté sur JSK. Ah, et non, break. Les cordes. Les cordes qui sauvent JSK. Les cordes qui sauvent JSK. Allez, Lion Salt. Oh là là. Oh, le coup de pied de la part de JSK, ça n'a pas plu à Chirizu qui s'est relevé tout de suite. Oh, la projection. Oh, la gauche. De la part de JSK. JSK. Oh, 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 oh. Back souplex sur le tablier. Allez, Chirizu. Oh non, Chirizu qui reprend l'avantage. À l'extérieur du ring, il y va. Le Chirizu clash sur JSK. Oh, et le Kamigoye enchaîné. Oh, JSK, il prend trop cher. Il prend trop, trop cher. Et Chirizu qui revient dans le ring et qui continue à provoquer. Comme s'il s'ennuyait. Oh, ça va énerver JSK, ça, je pense. Oh, attention. Oh là là, Chirizu. Et ben voilà, il a voulu faire le malin, mais il s'est complètement chié maintenant. Neckbreaker à l'extérieur du ring. Oiseau dans le vide, oiseau mort, là. Et Chirizu qui compte, spinning back end. Encore, non. JSK qui contre. Chirizu qui contre. Et Chirizu finalement qui revient dans le ring. Qui veut peut-être pas se la jouer à l'extérieur. Du moins, il veut plus. Allez, on est à 4. De toute façon, JSK revient dans le ring. Chirizu l'attendait. Oh, la projection dans le coin. L'esquive de la part de JSK. Mais Chirizu, Deep Six. Le Deep Six. Allez, le tomber. 1, 2 et 3, non! Dégagement de la part
de JS Couille. Très bon, bah tant mieux alors si ça plaît, Zach. Oh, tiens, les Zookutters qui passent pas. Trident, le finish, Rocket Kick, le Trident, le tombé. 1, 2, et 3, non. Dégagement, oh, ce Trident qui est venu de nulle part. Magnifique. Magnifique. Oh non, oh non. La soumission JSK, son spécial. Est-ce que Kirizu va taper? Kirizu va taper. C'est pas vrai. JSK qui va faire taper Kirizu sur sa Cloverleaf. Non, Kirizu va taper, non. Oh, Kirizu n'a pas tapé, mais c'était pas loin. Oh non. Uppercut en Tanower. Uppercut en Tanower. Mais qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Oh là 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 là, comment Kirizu reprend l'avantage. Et le tombé. 1, 2 et 3. Non, JSK qui survit encore. Après cette percute. Oh non. Kirizu Cutter pour la seconde fois. Et le tombé. Les cordes. Les cordes. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois que JSK est sauvé par les cordes. JSK peut le faire. Lion Salt. JSK peut le faire. Oh là 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 là. Kamigoye. Encore Kamigoye. Ce qui nous sort là, Kirizu. Oh, Springboard DDT, non. C'est pas passé. JSK qui esquive. Le coup de pied. JSK, allez. Descente du genou. C'est plus bizarre, mais JSK va le faire si ça continue. Et le coup de pied sur le bras. Allez, JSK qui s'énerve, les Mat Slam contre Kirizu. Oh, attention, l'esquive. Oh, spinning back head, l'enchaînement de coups de la part de Kirizu. JSK ne répond plus. JSK ne répond plus, quoique JSK qui contre Kirizu. Le Trident, le Trident. Non. Salut Cobra, Cob4KTTV, bienvenue à toi sur le stream. Le Trident contré et le tombé. 1, 2 et 3. Victoire malheureuse de la part de Kirizu. Ah non, JSK, tu t'es pas fait chier dessus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que JSK il s'est bien débrouillé quand même, franchement. Ça aurait pu être pire, dis-toi ça. Ah. Pauvre JSK, mais j'avoue JSK qui aurait mérité la victoire, mérité. C'est un grand mot mérité, mais bon. On aurait pu surprendre tout le monde et gagner, mais non. Ça n'a pas été le cas malheureusement pour toi. Oh, mais c'est le main event. Le main event. Isaiah Weiss contre qui? Dites-le dans le chat, c'est qui? Allez, allez, c'est qui le point d'interrogation? Vous avez parlé tout à l'heure de ponctuation. Qui c'est? Qui c'est? Qui affronte Isaiah Weiss pour le titre? Là maintenant, main event de Raw. Vous pouvez y aller niveau pronos. Autruche, pourquoi pas? Homme mystère, oui, bah l'homme mystère lui-même, je suis d'accord. Venom, referee, Isaac, non, bah non. Voici le point d'interrogation.
Allez, qui est-ce? Allez, main event pour le titre World Heavyweight. Heureusement, Eric est là, tout va bien. Let's go! Oh putain, le cutter! Super MKO! Je m'en fous, je le dis! Super MKO de la part d'Isaac Vace! Oh, il l'a calmé direct! Oh, ça commence très très fort! N'hésitez pas à dire pour qui vous êtes dans le match. Est-ce que vous êtes pour Isaac Vace ou pour son challenger Max? Max, évidemment, accompagné par son coéquipier Eric. Ouh, le stomp! Et un second! Oh, ça commence fort, hein. Isaac Vace qui domine le début, mais Max, allez, qui se laisse pas faire! Attention, Running Senton! Eh ben, ça tombe bien que Max... German Suplex, je disais, ça tombe bien que Max affronte Isaac Vace, parce que, si vous vous souvenez bien, à Elimination Chamber, Max, il était censé avoir une chance pour le titre poids lourd, et Isaac Vace l'avait attaqué, du coup, Max peut maintenant se venger ce soir, et qui sait? L'adversaire mystère de base, c'était peut-être... C'était peut-être Anto, mais Eric s'est occupé d'Anto. Allez savoir. Oui, demain stream, demain SmackDown, évidemment, Number. Demain SmackDown, évidemment. Allez, Max. Eh ouais, qui est en train de démolir la jambe d'Isaac Vace. Oh, putain, l'enchaînement de coups violents sur la jambe du go. Allez, la droite. La droite. Oh, Springboard Cutter encore. Mais ça n'en finit jamais. Et allez, il enchaîne avec une soumission! Triangle Shock! Porté sur Max! Le Triangle Shock! Allez, Max! Allez, Max! Avec toute la puissance! Qui parvient à se dégager de... du Triangle Shock d'Isaac Vice! Très fort en soumission, ce champion poids lourd! Allez, attention, la droite! Allez, attention, Isaac Vice! Oh non, attention, Spring Cutter! Spring Cutter! Ça fait le troisième cutter qu'il calme et c'est Cutter City! Oh là 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 là! Wall Power Stunner pour répondre! Oh, oh, oh. Allez, attention! Inverted DDT! De la part d'Isaac Vice! Allez! Oh les petits coups! Heroes Welcome! Le Whirling Cutter, le spécial d'Isaac Vice. Est-ce qu'en un seul coup spécial, Max pourrait perdre sous les yeux d'Eric? 1, 2 et 3, non. Pour l'instant, Eric reste sage. Voilà, il bouge pas. Il a l'air possédé, mais il bouge pas. C'est bien. En plus, ça parle de lui, mais c'est magique. Eric. Oui, j'avoue, pète un coup, Eric. Allez, attention, Isaac Vice. Inverted DDT encore! Porté sur Max! Oh 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 non, il va partir pour son finish! Isaac Vace! Pour le finish! Sur Max! Basement Dropkick, non! C'est manqué! C'est manqué! Basement Dropkick manqué! Max va en profiter! Allez! Oh le Backbreaker! C'est manqué le Basement Dropkick!
Bon, du coup, Max, le finish, le finish, il hook, il hook. C'est pour ça qu'il a attaqué les jambes tout à l'heure. Le heel hook. Est-ce que Isaiah Weiss va taper et laisser son titre à Max? Non, 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 non. Et même, il se dépêche de se dégager. Oh, oh, il a mal. Isaiah Weiss a mal aux jambes. Oh, les deux qui bloquent. Max, attention, qui attaque. Projection dans le coin. Attends que tu tapes, ça marche bien. Oh, le coup de coude. La droite. Encore un cutter, mais c'est pas vrai. Oh, ce springboard cutter, encore. Coup de pied. On a un autre coup de pied de la part de Max. Oh putain, Max. Oh putain, Max. Qui soulève Isaiah Weiss. Coup de driver. Il lui a brisé la nuque. Le tombé enchaîné. Un, deux. Non. Dégagement. Encore un heel hook. Encore. Non, il va le faire taper. Il hook encore. Il hook. Est-ce que Isaiah Weiss va taper et laisser son titre à Max? Il a plus de jambes. Il n'a pas le choix de taper. Isaiah Weiss. Et non, Max qui lâche la soumission. Max, il a lâché la soumission parce qu'Isaiah Weiss ne veut pas taper. La bonne gauche. Et Isaiah Weiss qui revient. Malgré les douleurs à la jambe. Allez, on est reparti. He was welcome. Peut-être un mec a tombé. Et ouais, Isaiah Weiss qui traîne Max. Le tombé juste derrière. Un, deux et trois. Non. Dégagement. Un coup de pied, non, ça passera pas. Oh, le coup de poing à la volée qui passe pas non plus. Et Isaiah Weiss encore. Reverse DDT porté sur Max. Est-ce que là ça va passer ou non? Isaiah Weiss pour le finish. Baseman dropkick, il est passé. Le finish est passé dans la tête, dans la tête. Et le tombé juste derrière. 1, 2 et 3. Isaiah Weiss qui conserve son titre et Eric? Eric était ça jusque là! Est-ce que Eric va s'en prendre à Isaiah Weiss? Et non! Et non, le champion du monde poilu qui préfère fuir! Et ouais, voilà, Isaiah Weiss a gagné son match, maintenant il s'en va, il a raison Isaiah Weiss! Pourquoi combattre? Oh oh! KJ Wolf! Allez, qui s'en prend directement Eric? KJ Wolf qui venge! L'attaque de tout à l'heure qui venge en tour! Super kick! Qui a touché et qui a fait du bruit, qui a fait mal! Allez, Kev, qui part! La petite sœur! Portée sur Eric! La petite sœur! Max est KO! Eric est KO! Et maintenant, KJ Wolf qui va faire payer Eric ce qu'il a fait en tour tout à l'heure! C'est parti! The Cross! What? Il se passe quelque chose là. Il se passe quelque chose. What? Oh my god! C'est Natsu! Natsu! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Natsu qui contre KJ Wolf! What the hell? Molokan Spike!
que c'est que ce merdier? Non, Eric, qui relève, KJ Wolf et qui part. The Ball Under Hook Brainbuster. Mais non, mais non, c'est pas vrai. Max sur Kev, Cradle Pile Driver. Mais c'est bien lui. C'est bien lui. Natsu is back. Je dirais même mieux, la Hill Families is back ce soir Raw.